Et salut à tous les gens, c'est Mo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, je présente mon équipe à 102 gènes les gars. Donc comme si vous ne savez pas, je suis passé à 102 gènes hier je crois, non, oui hier, en ayant un joueur dans les cadeaux givrés. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter mon équipe, faites pas attention à mon général d'équipe, c'est fait exprès pour la vidéo. Comme ça je vais me remettre mes joueurs en parent. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, au goal, les gars, bah ça n'a pas changé. Mon Patricio, voilà. Donc, je l'ai up à 90 parce qu'avant j'avais McCarthy 86 au goal. J'ai acheté mon Patricio, il était à 88 et avec McCarthy, je l'ai up à 90 pour un crédit, les gars. Donc, ça fait une très bonne tech à faire si vous ne l'avez pas encore fait. Défenseur gauche, ça n'a pas changé quand même. Toujours Cresswell, voilà, très bon. Attends, je vais vous montrer les stats de Ray Patricio, voilà. 89 plus partout, hein, voilà. Physique et jeu au pied, c'est pas important. Jeu à la main, 96, très bon. 94 en placement, très bon. 101 en plongeon et 101 en réflexe, il est monstrueux, les gars. Voilà. En défenseur gauche, on a Aaron Cresswell, les gars. 83 de vitesse, il est pas très rapide, mais c'est pas grave. 86 de passe, 87 de défense, 90 d'agilité et 76 de physique. Le tir, faites pas attention, je sors rien de toute façon pour un défenseur gauche. Donc voilà, il est pas très physique parce que c'est un numéro. Il a une très bonne note de défense. Il fait de bonnes passes, franchement. Avec la prime centre. Avec la prime centre. Et voilà, il est très bon. En défenseur central gauche, on a Nathan Aké, les gars. Il est monstrueux. Voilà. On va regarder ses stats. 88 de vitesse. 59 de tir, bon, c'est pas important. 76 de passe, 102 de physique, 108 de défense et 82 d'agilité. Les gars, d'accélération pour un défenseur, c'est monstrueux, les gars. 108 d'intensité, 98 de vitesse, 97 de puissance, 107 de dépense, 108 d'intensité. Bref, il est incroyable. Voilà. En défenseur central droit, on a Sanchez. Donc voilà. Voilà, Davinson Sanchez, il est très bon aussi. Rapide pour un défenseur, 81 de vitesse. Voilà, 97 de physique, 90 de défense. Voilà. Voilà, regardez, 91 de vitesse ici, on voit en haut à droite, là, voilà, je sais pas si vous avez vu, bref. 102 d'agressivité, 100 de puissance, 89 de détente, il est très bon aussi, 92 de réactivité, voilà, avec la prime physique. Voilà, que j'ai up à 87 aussi, Cresswell que j'ai up à 87 aussi, et Aké que j'ai up à 90, avec deux filles que j'avais juste avant. Mon défenseur central droit, Alexander Arnold, voilà, sans doute le meilleur du jeu, hein. Regardez, 90 de vitesse, 90 de passe, 85 de défense, 86 d'agilité. Voilà, c'est parfait pour un truc. Comment on appelle ça? Pour un défenseur droit, excusez-moi. Donc voilà, c'est le TOTW semaine 1. Voilà. Donc, très bon défenseur droit. Voilà. En milieu central droit, mince, on a Doucouré, les gars. Voilà, que j'ai réussi à avoir avec le défi Boxing Day. Voilà, il est très bon, c'est un défenseur à la N'Golo Kanté, etc., etc. Franchement, il est très bon. Il est physique, il a de la défense. 91 de passe, 84 de tir, ça veut dire que je peux très bien tirer de loin avec lui. Et 86 d'agilité. Voilà. Sa carte normale, elle est or. Il a 86 de... C'est en MDC, donc c'est pour ça que il a toutes... voilà, ses bonnes stats en défense. Voilà, avec 93 en tir de loin. Franchement, j'hésite pas à tirer avec lui. Et avec la prime capitaine. Voilà. En milieu central gauche, on a James Maddison. Mon tireur de coup franc. Voilà, j'en ai jamais raté un avec lui. Voilà, 98 de passe, 80 de tir, 85 de vitesse, 90 d'agilité. Il est au max, les gars. Il est au max, hein. Voilà, regardez. 90 d'accélération. 105 de passes courtes, 90 de passes longues, 106 de vista, 103 de contrôle ballon. Voilà, donc il est très bon, les gars. En fait, si, regardez. James Maddison, je le considère un peu comme un milieu offensif. Et Doucouré, je le considère comme un milieu défensif. En attaquant gauche, on a, les gars, Trezeguet. Voilà, il est très très bon, les gars. Regardez ce stade. 103 de vitesse, 87 de tir, 85 de passes, 92 d'agilité. Franchement, il est au max, les gars. Regardez, 110 de vitesse, 96 de finition, 90 de puissance de frappe. Bref, il est au max, les gars, il est au max.
Mes quatre attaquants, c'est que des flèches, les gars. Regardez. C'est lui que j'ai eu. Le fameux Jamie Vardy. Dans les cadeaux givrés, je l'ai eu. Regardez ses stats. Il est magnifique. 107 de vitesse, 100 de tir, 85 de physique, 93 d'agilité. Je l'ai eu en premium en plus. Regardez. Là, joueur Scream Team, version premium. Voilà. Donc, j'ai eu aussi un peu de chance dessus. 112 de puissance de frappe, 110 en accélération. Voilà, il est très bon, les gars. Et en plus, 100 en jeu de tête. Regardez, en plus, il est petit, hein, 1m79. Et il a 100 en jeu de tête. Voilà, de caractéristiques spéciales, se livre sur les tacles et essaye d'éviter le hors-jeu. Voilà. Mon autre BU, c'est sans doute le fameux Pierre-Emerick Aubameyang, les gars. Il est au max, lui aussi. 98 de vitesse, 92 de tir, 87 d'agilité. 71 de physique, mais bon, c'est pas intéressant. Regardez, 99 de vitesse là, 95 en puissance de frappe, 92 en dribble, 91 en jeu de tête, 85 de puissance. Franchement, il est très bon. En plus, il a 4 étoiles en mauvais pied. Voilà. Et en plus, je l'ai eu en premium, mais aussi je l'ai packé dans les cadeaux que j'avais. Non, je l'ai acheté lui. Voilà, donc j'ai acheté Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà. Et le dernier joueur de mon équipe, les gars. Donc, voilà, vous l'avez vu. Wilfried Za, les gars. Voilà, regardez, 103 de vitesse, 87 de tir. En fait, c'est la même chose que Trezeguet. Regardez, c'est la même chose que Trezeguet. Hein. Voilà. Donc voilà, les gars, notez mon équipe sur 10 en commentaire. Voilà, avec les joueurs qu'ils ont remplacés, je vais les up. Notez mon équipe sur 10 en commentaire, les gars. Voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. À chaque fois que j'ai une autre équipe, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo comme ça, je présente mon équipe. Et les gars, vous inquiétez pas, le contenu de qualité va commencer à arriver, les gars. Parce que j'ai eu les 20 abonnés, merci encore. Et merci au dernier qui s'est follow, Thiago Arojo, les gars. Gros big up à lui, gros GG à lui en commentaire, au 20e abonné. Merci à toi, mon gars. Donc voilà, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez votre gros pouce bleu, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi, ça prend une seconde, voilà. Donc les gars, on se capte pour une prochaine vidéo. Peace.